When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? No. no. I'm going to ask the honourable uh, leader of the opposition to withdraw uh, that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace "wacko" with "extremist." He is an ex-... The honourable member, to please. I'll replace it with "radical." No, I'm, I order you to withdraw from the house. Jean-Pierre Charbonneau, bonjour. Bonjour, M. Thibault. M. Charbonneau, vous avez été euh, président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002. Ce qu'on vient de voir, c'est quand même quelque chose. là. Un président à Ottawa qui expulse ce chef de l'opposition officielle après des échanges, ma foi, plutôt musclés. Comment on gère ça, euh, un parquet parlementaire comme ça, quand, quand les, les émotions sont à fleur de peau et que le ton monte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette euh, miracle. Je pense que le président doit avoir la... Le, 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 le sens politique et puis le sens de la situation pour éventuellement maintenir l'ordre en braquant pas inutilement les gens. Mais à des moments donnés, il n'y a pas le choix. S'il veut euh, que son autorité soit respectée, il doit être en mesure d'utiliser la sanction ultime, qui est l'expulsion d'un membre du Parlement, d'un membre de l'Assemblée, d'un membre de la Chambre des communes hors de, de, des lieux. Alors, je pense qu'il faut faire attention, puis il ne faut pas créer une situation ou de, avoir des comportements comme président qui euh, provoqueraient inutilement euh, d'un côté ou de l'autre. C'est une question d'appréciation de la situation dans le moment présent. Ouais. Dans, dans, dans le cas de, dans ce cas-ci, euh, la semaine dernière, les, euh, les conservateurs ont accusé le président de faire preuve de biais, de ne pas être impartial. Comment on se protège quand on est assis dans le grand fond du milieu de ce genre d'accusation-là? Bien, c'est avec le temps qu'on finit par avoir une espèce de protection. C'est-à-dire que quand nos décisions euh, régulièrement déplaisent à un côté ou l'autre, à un moment donné, il y a comme un équilibre qui s'établit. Ça ne s'installe pas du jour au lendemain, mais avec le temps, le président acquiert une réputation de quelqu'un qui est capable d'en de, imposer puis qui aura pas, ne euh, sera pas partial. Est-ce qu'on voit un glissement? Est-ce qu'on est en train de manquer de respect à l'institution? Est-ce que c'est ce que vous constatez? Bien, ce que je constate, c'est pas juste euh, à Ottawa, c'est dans d'autres euh, parlements un peu partout, dans les démocraties euh, euh, libérales, comme on dit. Alors, c est, c est... le danger, c'est qu'à un moment donné, les gens poussent le bouchon trop. C'est-à-dire que la quête du pouvoir, l'ambition du pouvoir ou la volonté de le garder crée des comportements qui, d'une certaine façon, sapent. Le, 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 le parlementarisme et la démocratie représentative, parce que il n'y a rien de plus fort mais de plus fragile qu'une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il faut que les, les acteurs, les parlementaires en, en, en premier lieu soient conscients que s'ils si vont trop loin, euh, non seulement ils, favoris, ils, ils jouent contre eux, mais ils favorisent aussi l'installation dans, dans, dans la société d'une un, espèce de, de, de désaveu et puis de discrédit à l'égard de l'institution politique, de l'institution parlementaire. Il faut qu'il y ait un, un minimum de, de, de retenue de part et d'autre. Et ça, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de jouer le jeu. Il y a un jeu parlementaire, alors, et en particulier quand c'est la période des questions-réponses, euh, il faut que le gouvernement accepte de donner leur juste. Et si, euh, il ridiculise l'opposition avec des réponses qui, qui finalement ne veulent rien dire, ou si à l'inverse, les partis d'opposition chargent de façon exagérée euh, le gouvernement, alors dans un cas comme dans l'autre, euh, c'est difficile. Il est plus moment c'est les moments où on a l'impression qu'on va marquer des points, puis ça va être le moment déterminant pour euh, éventuellement accéder au pouvoir, ou encore quand les réputations individuelles sont en cause. Alors, à ce moment-là, le ton monte, les émotions sont à fleur de peau, parce que ça reste des humains. Là. Ouais. Alors, c'est une jute émotionnelle, émotive constante. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant un bout de temps, on avait l'impression qu'il y a quelques années et encore tout récemment, on voyait des attaques à l'endroit des idées ou des politiques, pas nécessairement à l'endroit des individus. On a l'impression maintenant que c'est beaucoup plus personnel. Et c'est le cas à Ottawa, c'est le cas ailleurs dans le monde, c'est le cas dans les provinces aussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est ce qu'à un moment donné, il y a comme une espèce d'effet de, de, de d'entraînement. C'est-à-dire que Trump, puis quelques autres qui, même avant lui, euh, ont commencé à se comporter de façon euh, exagérée par rapport à leurs adversaires politiques, à dire n'importe quoi, puis à avoir aucune retenue. Alors, à un moment donné, tout ça créer une espèce de dynamique dans les démocraties. Les gens voient ce qui se passe ailleurs et puis ont l'impression que c'est la nouvelle façon de faire, c'est la nouvelle mode. Et puis si on veut avoir l'air solide, viril, puis si on veut conquérir le pouvoir. Euh, ben, on joue aussi sur le fait qu'il y a des, euh, y a des euh, spin doctors et puis des ingénieurs du chaos, comme le disait un, un auteur italien, qui, euh, dans le fond, orchestrent ça aussi. Et, et à ce moment-là, l'éthique fout le camp. -à, -dire à partir du moment où, dans un Parlement, il n'y a plus d'éthique et que le comportement, euh, tout peut être permis, et puis on peut dire n'importe quoi de n'importe quelle façon. Mais là, on, veut dire, on est mal barré puis on est mal parti aussi. Qu'est-ce que ça suscite chez l'électeur. Comment les Canadiens réagissent, d'après vous, à ce genre de comportement-là? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça décourage? C'est-à-dire, une... je pense qu'une partie de l'opinion publique ou de l'électorat peut euh, trouver ça exagéré, puis finalement être rebuté par ces, ces comportements-là. Il y a une partie qui encourage ces comportements excessifs. Et là, bien, il faut qu'à un moment donné, dans la société, des gens qui ont une crédibilité.. Euh, rappelle un peu tout le monde alors en disant, écoutez, là, faisons attention parce que là, on est dans une dynamique de dérive et les gens ne réalisent pas jusqu'où ça peut conduire. T'sais, les gens ne réalisent pas, ils se rappellent pas comment ça s'est comporté dans un certain nombre de sociétés européennes avant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il y a eu, à un moment donné, des débordements. Et ces débordements-là, il n'y a rien qui dit qu'ils ne se reproduiront pas et qui ne se reproduisent pas actuellement. Dans une démocratie où il y a la liberté d'expression, où il y a des règles, et puis il y a une espèce d'attitude de, 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 qui est reliée à l'éthique, quand tu n'as pas trop d'éthique, ou quand l'éthique... Euh, et pas si importante que ça par rapport à ton objectif de prendre le pouvoir puis de le conserver le plus longtemps possible. Alors ben là, tu te retrouves dans des situations assez dramatiques à des moments donnés. jean bierre Charbonneau, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci, ça m'a fait plaisir.